Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Notso Berry. J'espère que vous êtes en forme. Et en forme de quoi? Bah, vous me le direz en commentaire. Alors, on reprend là où on s'est arrêté. Ou presque. Parce que, bon, là, je vais les laisser dormir peut-être. Regardez, de toute façon, les gosses, ils auront de quoi s'amuser. Ils ont été relookés. Parfait, voilà, ils s'amusent, le petit. Culture YouTube. Les petits ont été relookés, donc nous avons le petit garçon chamallow qui est ici, qui est magnifique. Il est super choupi. Et sa grande sœur, sa petite. Non, c'est sa sœur, quoi. Sakura, qui est absolument cutissime également. Cucu YouTube. Coucou maman. Et je les ai mis en blond parce que je me suis dit que c'était pour marquer l'autre génération. J'aurais pu les garder roux, mais Agent voilà. 21, cucu les copains de YouTube, agent 21, boule. Et on va refaire aussi la chambre des gosses et installer une baignoire dans la salle de bain parce que nous n'en avons pas. Parce qu'il faudra leur laver le cul. Coucou YouTube. Je suis Modo, donc vous pouvez désormais venir en live sans craindre arrobase, il taille une fois les Sims le tyran. Et oui, Sianana a été promue. Elle a été promue sur les lives. Vous êtes gentils. Les gens du monde de YouTube. Ils peuvent être beaux, ils vont être chiants, ça c'est sûr. Ouais, donc on va faire ça après. Et puis on va leur acheter des jouets. Mais pour l'instant, regardez, voilà, ils s'occupent, hein. Écoutez pas si y a Nana YouTube, je suis sympa. Ils sont mignons. Non, franchement, ils sont mignons, les petits. Pour l'instant, vu qu'ils me font pas la vie dure. Ah, ils vont manger du pain. Oh. Ah, les chouchous. Ils sont tout beaux, tout roses. Des petites têtes blondes, comme on dit, hein. Et j'ai découvert des tenues super mignonnes en rose. D'ailleurs, pour le garçon, j'avais jamais fait gaffe. Donc, elles sont très mignonnes. Vous les verrez. On fait de la lèche à Marie ou si à Nana. Ah oui, la coupe de Sakura, elle est trop mignonne. Elle vient avec Escapade. Elle est trop choupette. C'est super mignon. Bah, les deux, d'ailleurs, coupes viennent avec Escapade. Avoir Marie à rebase, il taille une fois les Sims. Je dis escapade, ça va plus vite. Hein. Je pense que ça y est, j'ai trouvé le mot. Ce sera escapade. Escapade en été. Escapade en juillet. Ah, ils vont se faire des câlins. Ah, viens dès faire des câlins. Merci beaucoup pour le follow. J'ai pas eu le temps de voir. Mince. J'ai pas eu le temps de voir le pseudo. Je vais le voir, vous inquiétez pas. Oh, ils sont trop cute. Enfin, elle a une bouche bizarre. Oh, ce regard bienveillant de mamie. Mamie qui est morte, hein. Mamie, t'es morte? Merci beaucoup, Esterelle, pour ton follow. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Alors, Maeva, c'est le Notso Berry. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est en fait un legacy sur 10 générations où chaque génération a une couleur associée qui est obligatoire, on va dire. C'est une certaine couleur. Et une carrière et des objectifs qui sont obligatoires. Comme tu vois, nous avons eu déjà certains héritiers. Pepper, on commence avec la génération Mante, qui était scientifique et voilà, avait certains objectifs à faire. Puis Bordeaux, qui était de la génération Rouge, qui devait être dans la politique et qui devait réussir l'aspiration romantique en série. Son fils, Pulco, fils unique, parce que lui devait avoir droit qu'un seul enfant, donc c'est Pulcote qui a hérité du titre, qui est la génération Jaune, comme tu peux le deviner. Nuage, qui est de la génération Grise. Et Lila, qui était de la génération Violette. Nous avons ici Copper qui est de la génération Orange, qui est donc l'héritier. Et il vient d'avoir ses deux petits bouts de chou la semaine dernière. Je suis partie de très très loin. Qui, comme tu peux le voir, sont de la génération Rose. Voilà. Et donc c'est des jumeaux parce qu'on est obligé d'avoir des jumeaux roses en fait. C'est la génération Orange doit avoir des jumeaux obligatoirement. Donc on a le droit de tricher pour ça. Et salut Juna, comment tu vas? C'est sûr, t'as eu des jumeaux. Oui, on a eu les jumeaux. On les a eu la semaine dernière. Coucou Akane, comment tu vas? Je pense que j'ai dû louper des gens. Donc, mais voilà. Je pense on est tous fatigués un petit peu. Et non, voilà, on a eu les petits bouts de chou la semaine dernière et ils ont grandi. Et donc voilà, ils viennent juste d'être bambins. Oh mon dieu, c'est trop chou. Alors autant ils me cassent les pieds et que je hurle, hein, que j'ai envie de les tuer des fois quand ils font des conneries. Mais les bambins sont cute, j'en ai bien conscience. Ils sont adorables, mais
Il m'énerve vite quand même, tu vois, parce qu'ils braillent pour rien. Là, et puis ils ont aucun jouet, rien. Ils sont pas du tout faits pour être. Voilà. Alors déjà, vous voyez, ils veulent faire des conneries. Ah non, tu vas déambuler un petit peu. Et lui, bah, tu vas déambuler aussi, hein. Vous allez apprendre à marcher, les enfants. Ah, d'accord, ça bug. Oh, elle va regarder le portrait de Pulcote. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ton. Ah, papa, mamie, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-père que tu as là. Voilà, c'est ton arrière-arrière-grand-père. Voilà. Et ton papa, il ressemble à lui d'ailleurs. Il a la même coupe de cheveux. C'était pas fait exprès. Non, tu vas pas aller faire la con aux toilettes. Je te le dis tout de suite, tu vas déambuler. Bon, dès qu'ils sont levés, je leur ferai les rénovations dans l'appartement, faire la chambre, mettre une baignoire, acheter des jouets. Pour l'instant, les gosses. Ils se débrouilleront comme ça. Pourquoi tu veux pas déambuler? Ouais, lui, il est perdu dans le couloir. Fais gaffe, parce que s'il y a un pédophile qui passe, c'est cadeau, c'est tout béni pour lui, hein. Bon, bah, dans le couloir tout seul. Laisse tomber. Salut Banner, comment tu vas? J'attendais le message sur Discord, je suis venue vérifier quand même. Il n'y a pas eu de. Ça a bugué sur Discord? Ah oui, effectivement! Ça a pas mis le live. Ah, super. Attendez, je vais le mettre. Je vais le mettre. Excusez-moi. C'est bizarre surtout ça. Attends, modifier parce que j'ai pas mis le lien. Voilà. Ça, tout le monde est au courant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent. C'est mignon. Mince, je suis pas dans. Hop, je suis pas sur le bon chat. Tu t'es remis des émotions d'hier. Ah oui, c'est juste que je suis un peu fatiguée. Je pense que. Je me suis couchée plus tard encore et tout, donc c'est un peu n'importe quoi. J'ai un peu la fatigue, tu vois. Ils sont trop chouchous, hein, mon Dieu! Mais merci beaucoup d'avoir été là d'ailleurs. Ceux qui ont pu être là, bien sûr. Ils sont trop mignons! Un peu comme quand je regarde mes chats qui sont tous les deux l'un côté de l'autre, je suis encore plus au gaga. Attends, les dernières fois qu'on a eu des jumeaux, j'étais pas aussi gaga. C'était Lila avec sa sœur. Lila était jumelle. Mais elle n'a pas eu de jumeaux, elle, à son tour. Ah bah voilà, il a fait caca. Ah oui, les pots. Mais je les ai, les pots. J'avais acheté les pots déjà. J'avais au moins pensé à ça. D'ailleurs, mon petit, t'as faim, tu manges. Allez. Je suis un peu au ralenti, j'en ai conscience, mais c'est bien le temps que je me mette dans le jeu. 74, bravo. C'est quoi qu'il y a 74? Je joue aux Sims en même temps, je laisse Yana faire la surveillance, t'as bien raison. Ça va la bizuter. Oh putain, les chiottes, ils sont dégueulasses. Non, mais on va le faire, on va faire la chambre après. Ça va être rapide, hein. Vu la taille de l'appartement, ça va être compliqué de faire autrement. Donc là, c'est bien. Là, on va les occuper. Ils vont manger. Ils auront la bouche pleine. Ils vont pas me casser les pieds, vous voyez. Charlie a des enfants. Ils s'appellent Dex et Tyrion. Oui, c'est ça. C'est mes loulous. Bah, là, ils me font pas chier. Hein. Ils sont en train de roupiller tous les deux. C'est pratique. Hein. Ah. Mais ils se lèvent quand, en fait? Ils se lèvent jamais? Mais dans un état, elle aussi. Allez hop, lève-toi, Gertrude. Toi aussi, tu vas te lever, tu vas aller manger. Mais j'ai l'impression qu'ils sont buggés maintenant. Pauvre gosse. Allez, on va faire de la construction. Bah, tant pis, elle est dans la salle de bain. Je pourrais pas changer la salle de bain tout de suite. Alors, on va vendre ça parce que ça nous sert pas. Alors oui, les gamins avaient une très très petite chambre, j'en ai bien conscience, mais de toute façon cet appartement est tellement minuscule et pas bien foutu que je peux pas faire autrement que de faire n'importe quoi. Mais... Ça me fait la même chose qu'avec le mur. Ah d'accord. Modifié par action, je peux pas changer? Mais... Il y a un problème là.
Il est où mon mot de construction? J'étais en bug là. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas à cause de la plaque parce que tout à l'heure je le mettais pas là. Bon, ok, ça va me prendre la tête. Je sens que ça va m'agacer un petit peu, légèrement. Non, parce que mettre deux lits là, ça va être complet, hein. Ça va être complexe, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils m'ont fait quoi là dans les Sims? Ils m'ont fait une mise à jour qui casse tout? Mais c'est merveilleux! Ah bah ben, on peut plus construire, ça y est, c'est voilà. Bon, bah écoutez, ça va être sympa. Il va y avoir un lit à l'intérieur. Hein, parce que là, ça va... Je suis pas sûre qu'on puisse faire du la construction après. Hein, vu comment c'est parti. Je sais plus, c'est où? C'est là. Je perds la boule. Je crois qu'il y a des lits exprès roses, là. Ah bah tiens. Non, celui-là. Bambin uniquement. Bah, c'est sûr que je vais pas y faire dormir à la grand-mère. Qui est morte, d'ailleurs. Avec ça. Alors... Oh là là, my god. Bon, bah voilà. Hein? Non, je vais essayer de mettre un autre lit quand même, mais... Voilà, je peux pas faire grand-chose. Tant pis, il y a le cadavre. Hein. Moi, je peux pas faire grand... Il y a le truc du cadavre, vraiment, vivement qu'on déménage. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a lancé le jeu et peut faire... peut lui construire ou améliorer quelque chose? Parce que... J'ai un petit souci. Je mettrai la salle de bain après. Hein. On va déjà faire ça. Sinon, je vais pas perdre du temps pendant 10 ans, en fait. Et hop. Toi, tu vas dormir là. Et toi, tu vas dormir là. C'est fait. Moi, j'aurais mis la chambre dans le fond et avancé la cuisine. Mais ouais, mais on a ça. Et c'est pas très joyeux dans la... Ça pue, on dirait. J'ai l'impression que c'est ça qui pue dans la vraie vie, dans mon appart, mais pas du tout. Eh, hey, casse-toi. Lave-toi, je t'ai dit. Mais allez, c'est pas possible. Elle me casse les enfants. What the fuck? Oui, c'est ça. Non, c'est pas à cause de la plaque d'égout. Parce que même tout à l'heure, quand j'essayais de poser le mur avec le portrait, je m'étais un peu là dans le salon. Je sais pas. Ça veut pas. Améliorer quoi? J'ai le jeu ouvert. Juste, est-ce que t'arrives à construire, quoi? Ou être dans un appartement et ajouter des murs? La baignoire. Je sais. Mais elle est dedans. Donc j'attends qu'elle finisse. Salut Linoa, comment tu vas? De toute façon, tu vas bientôt les faire déménager. Oui, mais bon, ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Dans 3 jours. Enfin, s'il vieillit, parce que s'il y a des problèmes. Mais cet appart, c'est plus... Mince, c'est le ce truc que j'ai oublié de changer. Je me disais bien que j'avais un truc que j'avais bougé, que j'avais pas remis, c'est le miroir. Tant pis, il va rester là. C'est en pix. Mais oh non, mais arrêtez d'annuler tout ce que je vous demande de faire là. Au bout d'un moment, ça commence à me casser les pieds. On vient de commencer le live là, j'ai pas la foi. Allez, toi tu sors. Hop. Tu t'occupes de ça, tu vas manger là, tu vas appeler le propriétaire. Tu gères. Alors, on va changer la salle d'eau maintenant. Peut-être qu'on peut plus hein. Je vais acheter avant de revendre mes trucs parce que je sens que ça va être n'importe quoi. Alors, baignoire douche. On a de la thune et on a 15 000. On peut investir dans une belle... verte. Non, c'est quoi? C'est orange. Oh là là. Oh, je perds la boule. Et ici, ils ont quoi? Oh bah c'est moche. On va prendre une rose. Je peux modifier? Oh, regardez la classe! Les toilettes dans une douche. Vous croyez qu'ils peuvent faire les deux? J'ai envie d'essayer. La douche rose avec les trucs orange, c'est immonde. Est-ce que tu prends une douche?
pense pas. Je pense pas que ce soit possible. Vous allez aux toilettes. J'ai des idées bizarres des fois, vous inquiétez pas. Jacqueline est chiante. Elle est toujours chiante. Ça va, Copper? Qu'est-ce que tu dois faire pour le boulot? Pirater, créer des virus dans 9 heures. Bon, bah je te remonte un peu le moral. Et puis tu iras faire ce que tu veux faire. Pirater. L'unité centrale. Voilà. Enfin, ça va... Il va faire sa thug life. On a encore le temps, hein, avant qu'elle essaye la douche baignoire. Quoi? C'est quoi ça? C'est revenu. C'est où? C'est quoi? Oh, tu me saoules, hein, Copper. Suffit, hein, maintenant. Mais quoi? Ah oui, il n'y a plus. D'accord. Oh, vous me gavez. Hein. Allez, tu vas t'entraîner à faire un discours, là. Ça... Oh, vivement qu'on déménage. Je peux plus de cet appartement. Il est insupportable. Dans 3 jours. 4 jours. Parce que si, on peut, il peut plus... voilà. 4 jours, on déménage. Là où j'en suis dans le challenge, plus le co et bambin. Oh, bichon. Il fait caca devant tout le monde dans la cuisine, je me souviens. Son pot, il était en bas, le pauvre petit. Avec ses bouclettes. Il était trop mignon, plus le co. Par contre, les WC sont dégueux. Oui, je sais. Ce qu'il doit, il doit travailler son charisme. Hein. C'est pour ça que je fais faire ça. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ah, la gamine, elle, ça va pas. Ah, programmer, pirater unité centrale. Eh, vas-y. Bon, je crois que ça peut marcher pour prendre la douche, mais... Voilà, voilà. Elle est trop mignonne. Oh, la petite, je craque. Véché douce, pire qu'une prison. Mais en vrai, je suis sûre que ça peut marcher. Hein. Parce que là, du coup, elle a viré la proprio, mais... Tu veux quoi, toi, bichette? T'es fatiguée. Va faire une sieste. J'ai pas la patience aujourd'hui. Tu peux regarder la télé. Hein. Regarde la chaîne actuelle, va pendant 5 minutes. Laisse ton gosse tranquille. Ah, ça y est, j'avais oublié. Dès qu'il y a des bambins, les Sims, ils font n'importe quoi. Tu fais quoi? Mais il n'y a pas de bestiole? Ah, tais-toi, toi! Tu gaves! Va dormir. Au bout d'un moment, zut hein. Ils sont chiants ces gosses. Oui, ils sont mignons, mais ils sont chiants. Tu peux mettre des murs et les enlever. La réparatrice qui nous fait le tour de l'appart. Non, parce qu'en fait, je pense qu'elle pouvait prendre une douche. Mais qu'elle a viré elle parce qu'elle venait de rentrer en fait. Regardez-moi cette tête. Mais je suis énervée. Alors, 50%. C'est bien. En ce temps-là, j'attends que la proprio, elle répare, là, parce que... C'est elle qui fera tout ça, on paye un loyer, quand même. Est-ce que tu as déjà eu de la patience avec les bambins dans les Sims? Je pense, au début. Ça remonte. Ça remonte avec quelques temps, mais oui, je pense que j'ai eu de la patience pour les bambins. Même mon challenge 7 bambins que j'avais fait, hein, mon tout premier challenge sur YouTube, c'était un challenge 7 bambins. Faudrait que je le regarde parce que ça fait longtemps quand même. Mais je suis sûre que je suis beaucoup plus zen qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, avant, j'avais pas le kit être parent. Et être parent, ça te fout la rogne. Parce qu'ils sont encore plus insupportables, les gosses. Vraiment. C'est le bordel, ça va. Tu feras le ménage après. J'attends juste qu'elle se casse. Hein. Mais tu peux te barrer, madame. Hein. On a eu quelques soucis. Hein. Voilà, dégage. Hey. Je vais voir si elle peut prendre une douche avec les toilettes à l'intérieur. Tu veux pas?
Ah non, elle peut pas. Oh, Bichette, tu me déçois. Est-ce que tu peux aller faire papy? Non, ça marche pas. Voilà, on aura répondu à notre question que personne posait. Voilà! C'est fait! Qu'est-ce qu'il a, lui, encore? Haricot saucisse, allez! C'est haricot saucisse ce soir, ça va péter dans, dans les chaumières. Salut, Mina Princesse, comment tu vas? On est 76. Non, sérieux? Il est beau le haut de la rouquine. C'est. Je suis pas sûre que ce soit un jeu, du jeu de base, mais ça pourrait. C'est un. J'avais longtemps que je le vois celui-là. J'ai pas le pack être parent, j'aimerais claquer mes bambins. J'aimerais claquer mes bambins, Sims. Bah écoute, c'est ce qu'il te reste à faire. Et les voisins qui refont de la Numba. Il a bouffé des brownies. T'as fini de pirater J'ai pas vu. J'ai pas capté. Lien établi, piratage réussi. Ah bah c'est cool ça. On dirait qu'il est en train de faire ça, la musique des voisins, tu sais. Je suis complètement déconnectée, je sais plus là ce que je dois faire. C'est. Vas-y, crée un virus. Comme ça, il sera bien. On n'est pas prêt d'avoir une promotion, mais. Oh là là, t'es sûr que t'as faim toi? Je t'ai pas obligé. Par contre, les gosses, vous pouvez venir bouffer. Parce que la pâtisserie de papa, elle nourrit pas. Hein. Ça, vous offrez des gros caca dégueulasses. Oh, le durlé là, allez bouffer. Mais Lilan. Ouais. C'est du bon métal, sa mère, ça. Pardon. Ils vont faire de la musique du. Oh. J'ai eu un coup de téléphone, c'est vrai, pour passer un entretien d'embauche dans ma communauté. Ah, c'est bien ça! Ah, c'est super pour toi, Mina, je suis contente pour toi. C'est super. Pourquoi tu gardes la table, il mange jamais assis à table, mais. J'avoue. Mais. Je pensais qu'elle regardait la télé, moi. Mais t'as un problème dans ta tête, hein, meuf? Allez! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il se passe des trucs bizarres hein, ici. Comme les gosses qui traversent tout l'appartement pour manger. Au moins pendant ce temps-là, ils nous cassent pas les pieds. Non, ils sont choupis hein, quand même. Ils sont super choupis. Ouh! De mon côté, mon enfant Sims, il fait du violon, du piano, du tricot et aucune bêtise. C'est pas un bambin alors, hein. Sinon. C'est bon, il a terminé. Je lui laisse quand même bosser parce que comme ça, il apprend des trucs sur sa programmation. Ce qu'il faut maîtriser la programmation. Mince, c'est là. Il est ah oui, que niveau 4. Effectivement, on va pas aller loin. Malice 8, charisme 5, pâtisserie 5, programmation 4. Donc on va essayer de bosser. Et la mienne va grandir et arrêter de me casser les pieds. Ah, tant mieux. Il y a rien de mieux que quand les enfants deviennent enfants, ça va. Ado, ça va encore aussi. Après, ça va, ça se roule. Mais c'est vraiment le stade bambin qui est bien chiant. J'ai vu Chalamalo passer devant le miroir. J'ai cru qu'il y avait un troisième bambin. J'ai oublié de remettre le miroir où il fallait. Mais mes bambins, je veux les mettre au barbecue. Peut-être qu'il faudrait développer un mode pour ça. Quoi? Mais tu veux quoi? J'ai dit, t'y vas jamais. Merde, j'ai oublié les jouets. Effectivement, j'ai oublié les jouets. Personne ne m'a dit qu'il fallait des jouets. Ah ben moi, je savais pas qu'il fallait des jouets pour les enfants. Mais genre, jure. Tiens, on va les mettre là. Jure, il faut des jouets. Jure. Depuis quand, quoi? Genre, les enfants, c'est bon, quoi. T'as déjà un lit? T'as déjà deux parents? Maintenant, tu te calmes? Wesh. T'as pas réussi à avoir une chambre correcte, hein. Ça je peux pas, j'ai pas réussi. Mais, hein? De où il te faut des jouets, toi? Attends, tu crois où? Merde.
Des jouets, c'est bon, ils ont des cubes, ils ont des machins, ça va aller? Vas-y, empile. Empile, Emile. Oh! Oh, elle a pété. Vas-y, y a un nounours rose, là. Qu'est-ce que c'est, babillé? Voilà! Ça s'amuse. Merde, c'est un mur. J'ai peur. J'avoue, ça doit voir son pénis. Ah oui, avec leur saute du mer, là, quand ils marchent comme des zombies, comme ça, là. T'as oublié les jouets? Oui, j'ai oublié les jouets. C'est pas Noël, non. Ils sont sur les bambins. T'as raison, j'ai jamais joué avec des bambins. Ça va, le divertissement, toi? Elle va au boulot, merde. On va appeler une nounou ou une garderie? Non, ils vont se barrer en garderie. Parce que là, les voisins, il est minuit. Ouais, il est quasiment 1h du matin, ça continue, c'est cool. Ils sont sympas, les voisins, dans ce jeu. Ils prennent la confiance, les gosses. Dis quoi? Bah, marteau pour chaque enfant, et voilà, les éduquer à la dure. Exactement! Comme ça, quand ils se taperont sur les doigts, et ben, moi, ils auront appris un truc. Ah, la musique, elle a enfin cessé. Parce que là, c'est vrai qu'elle allait quand même particulièrement fort, j'ai l'impression. Le Sims 3, à cette horreur. Oh, l'appartement, il est affreux. Par contre, est-ce que vous avez déjà une idée de où on va déménager? Voilà. Alors, tu iras faire pipi. Merde, le tapis. Oh non, j'aime pas les tapis qui bougent, moi, hein, les Sims, hein, ça suffit. Hein. Parce que je fais tout valdinguer, moi. Et tu iras manger... Non, mais arrête avec tes gosses. C'est bon, tu casses les pieds aussi. Maman, comme un rébi. Oh ouais? Pourquoi? Vous voulez une maison orange et rose à mon como rébi? Bon, d'accord, vous voulez tous qu'on y aille. D'accord, ok, c'est parti. On ira à Wakaba, là où ils peuvent se baigner. Parce qu'on a vu qu'avec le let's play, on est de l'autre côté. Stranger, viens, non, trop tard, là. Tout le monde veut le nouveau. Comment ça, une baston? Qu'est-ce qu'il veut? Vas-y, mais t'as des jouets, là. Vas-y, joue avec le chat. Je pense que c'est une musique qui doit être copyrightée et j'ai pas envie de faire sauter ma monétisation. De toute façon, même si je vais jamais gagner beaucoup d'argent grâce au Not So Berry. La 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 la. Va pisser, Copper. À un moment donné, faut que tu ailles pisser là avant d'aller au taf. Vas-y, vas-y. La 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 la. Alors, je vais éteindre avant que voilà. La 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 la. Aller au travail, c'est pas s'occuper des gosses. On s'en fout des gosses. Ils iront à la cave pendant que t'es pas là. Allez, fais ton père responsable et va travailler. Abandonne les gosses. On s'en fout. Allez, j'engage une nounou. Allez, j'engage une nounou. Je suis sympa. Allez, viens, Jean-Pierre. Je m'appelle Chaud. Je suis ta nounou. Mais lui, il m'énerve. Elle va dormir, ouais. Oh là là, et vous piotez, là, les deux, là. Je ne veux plus vous entendre. Allez. Je t'ai dit d'aller dormir. Genre, le nounours, il t'empêche de bouger. T'as réussi à y aller tout à l'heure. Enfin, toi ou ta soeur, je sais plus. Il n'y a pas de nounours, tu me diras, mais on s'en fout. Allez. Non, c'est bon, parle-lui pas. Il est bizarre. Bonne nuit, Popo. Bonne nuit, merci d'être passé. On a déjà fait quelle ville? Willow Creek. Strangerville. Ah, je sais plus. Il y a trop. San Michuno. Evergreen Arbor. Ouais. On a commencé à San Michuno. On est parti à Strangerville. Avec Pulco. Pulco, on est allé à Windenburg avec Nuage. Nuage, on est resté là. Lila, on est parti à Sre-Saint-Michuno, puis Willow Creek. Et là, donc, on est... Tu mets du scotch de dérangement sur la bouche des bambins.
de dérangement. Il nous fait peur. Allez, salut Bubble Town, comment tu vas? Salut Pearl of Gaming, pas Pearl tout court, excuse-moi, je suis un peu déconnectée, je lis tous les pseudos moi, mais comment tu vas? Tu aimes souffrir, c'est ça, c'est comme la chanson de M. Faites-moi souffrir. Alors toi, tu vas travailler dur, mon coco. Parce que plus le code, il faut qu'il travaille dur. Dur comme du bois. Allez, on va accélérer un petit peu. Tu peux faire ménage, s'il te plaît, regarde, il y a les chiottes sales aussi, hein. N'hésite pas, hein. De déménagement. Ah! Ça serait cool de pouvoir scotcher les gosses, mais encore, on va encore me dire que je suis pas quelqu'un de bien. Bridgeton Bay, bah, on n'a pas été. On y est avec le Legacy, mais on a. Avec le notre Sobéry, on n'a pas été. Tout se passe bien. Oh, oui, tout se passe bien, ça va. Si mes fils pouvaient dormir aussi vite. Et 2200 simflouzes en plus dans la caca, dans la gnognotte, dans la cagnotte. Tu vas me faire une douche là, et puis tu vas te coucher. La meuf qui l'a. Oh, je suis fatiguée. Mais j'avance quand même. Oh! Je l'ai vu le bug, hein. Je l'ai vu. Sous la nuit. Ouais, on n'a pas encore été. Au pire, je vous. Non, mais vous avez l'air d'être à fond pour Komoribi, donc on va aller au Nouveau Monde. Cette mage a été bonne pour le jeu. Ben. J'ai un petit souci. Là, comme tu vois, je peux pas modifier les murs dans l'appartement. Je peux pas en mettre. Je peux pas les modifier. Je sais pas, il y a un bug. Donc en fait, je sais pas. Je sais pas si c'est que moi. Si c'est. Je sais pas. Donc en gros, la chambre, c'est mal foutu parce qu'en fait, je peux rien faire. Je peux pas modifier. Donc j'ai mis les lits comme ça. La semaine dernière, il n'y avait aucun problème pour faire la chambre. Donc je sais pas. Donc il payait à regarder la TV, bah, comme beaucoup de nounous en vrai. Hein. Beaucoup de nounous, tu les appelles et tout pour parce que mais le gamin est déjà en train de dormir, tu vois, donc ça va. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tu t'occupes. Pas top, bah non, pas top. Près d'un point d'eau pour noyer, apprendre à nager au bambin. Oui, mais on ira en bas, là, Wakaba, je crois que ça s'appelle. Oh, si j'ai réussi à retenir le nom, mais je crois que c'est le plus simple, c'est pour ça que j'ai réussi à le retenir, mais les autres, non, c'est pas possible. Trop compliqué pour moi. Bon app, Quentin! Oh, lui, il va être dans un état aussi en rentrant. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que. Ah oui, parce qu'il est allumé. Faut s'occuper, monsieur, faut lire, hein. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui dorment à côté de vous. Si t'es pas content, tu te casses, hein. Renvoyer, licencier, renvoyer. Bon, bah c'est elle qui va le faire. Allez, renvoie-le. Il a pas l'air de comprendre. Il est embarrassé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle dort en petite tenue à côté. Et qu'il voulait pas ça, il s'attendait pas à voir ça. Emanuela, elle se promène en culotte devant Nounou. Bah oui, bah elle est chez elle, hein. Espérant que les gamins ne se réveillent pas. 584 simflouzes! Brava, il est dégueulasse. Ah oui, c'est pour ça que je te demande d'aller te coucher, de doucher. Pourquoi le nounou est déjà là? Mais ouais, va te faire foutre, mais dégage! Merde, je suis. Oh putain, c'est avec quelque chose à faire. Ça se voit que j'ai du mal là. J'arrive plus à penser, hein.
Et là, bizarrement, Copper, il arrivait à dormir. Oh, ça me saoule. C'est elle qui a mis la télé maintenant. Oh, j'en peux plus. Vous me gavez, mais vous avez pas idée. Hein. Allez, bougez-vous le train. Mais tu l'as foutu dehors? Ah non, hey, c'est bon là. Oh, oh. Dégage. Fous le camp. Tu me saoules. Là. Dégage. Allez, les factures. Dégage. Putain. Dégage de là. J'ai toujours des vieux... Non mais moins d'habitude aussi. Sauf que là il est relou le gars. Surtout que je l'ai pas rappelé, j'ai pas compris. Ou j'ai peut-être fait misclic, j'en sais rien. Mais là c'est le bordel dans l'appart là. Et j'ai du mal à suivre. Alors ça doit bien cocoter dans cet appartement. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ça passe bien après un bon repas. Prochain live d'une autre sauce, ça veut dire construit. Oui, mais ce sera rapide. Au pire, je prendrai une maison coquille hein, que je remplirai. Oh mon dieu. Là, tu vas pas la réveiller. Ah mince, ça a pourri. Oh purée. Ah, regarde, il y a des brownies. Viens, viens manger du sucre. Mince, un toilette. Bien sûr, il faudra apprendre à aller aux toilettes. Après, si tu veux, tu pourras babiller qu'est-ce que c'est. Babiller qu'est-ce que c'est. Elle est dégueulasse. Oh non, l'autre aussi. L'enfer. Non, tu vas pas réveiller ta mère. Tu vas manger un bout de là. Et après, si tu veux, tu pourras empiler. Ceux-là, ils ont pas dormi, vos parents. Hein. Comme quand vous hurliez la semaine dernière, c'était infernal. Ça fait elle. Ouais. Je te surveille. Ça va, Manuela, elle va pouvoir prendre le relais, mais ça va, lui aussi. Ça va. Il est déjà 17h, tout va bien. Bon, alors toi, à la limite, je m'en fous de ta vie, tu vois, tu vas te lever. Tu vas manger un brownie aussi. Prends une portion. Voilà. Alors, tu vas... Qu'est-ce que tu peux faire pour pas emmerder ton mari? Tu vas aller sur l'ordinateur. Elle va jouer à l'ordinateur. Allez, chiards. Ils sont occupés. Dégustation de délicieuses boissons. Mais c'est merveilleux. Donc ça, lui, il récupère bien. Parce que sinon, il va être crevé. Bon, après, meuf, tu feras ça. Non, non, c'est bon, il n'y a rien de brisé à part que tu nous les brises. Alors, mon petit, tu vois, il vaut mieux que tu t'ailles pisser avant de te doucher. Vraiment. C'est pas grave si tu pues. Du moment que tu t'es mis une conscience tranquille. Ah bah. Qui c'est qui a mis la musique? C'est pour ça qu'il s'est réveillé. Bah, tu vas bouffer après! Jean-Guy, là! On va faire de la pâtisserie. Du pain au fromage. Oh, oui, du pain au fromage. Il m'a tout annulé, il m'énerve. Il m'énerve. Vous avez pas idée à quel point il m'énerve. Dark Cynic! C'est bon, j'ai compris! Oh là oh, relou! C'est le bordel dans la maison, mais c'est immonde. Son ton père est dans la douche et on peut pas vous laver pour l'instant. Donc, maman, allez, maman, arrête de jouer, là, ça suffit, tu vas faire le ménage. Plein de merde aux fesses. Au pire, mets les gosses dans le congé, les récupère que quand ils grandiront. Bah, y a pas de congélateur dans les Sims. Ça m'arrangerait bien, moi. Oui, je sais, le frigo est cassé, je sais. Chaque chose en son temps, tu sais. Là, c'est l'enfer. Eh, va hocher de la tête. Hocher de la tête. Hocher la tête en rythme, parce que comme ça t'occupera.
Maman, elle fait le ménage. Après, tu répareras ça. Parce que lui, il est en train de se décrasser à fond les ballons. C'est bon, il va avoir fini. Ah! Il va aller faire à manger. Les cafards sont de retour. Les petits crados! Les petits crados! Ils sont trop choux! Oh, elle est dans la baignoire! Oh là là! Cette violence! Et après, tu vas pouvoir donner un bain. Alors, tu vas pas faire de bébé. Donner un bain à Sakura. Donner un bain de mousse à Chamallow. Faut qu'elle soit utile aussi, cette fille, hein, parce que quand même. Pendant que Copper, lui, s'exerce à s'améliorer dans ses compétences. C'est mal barré. Même moi, je sais mieux faire que lui, hein. Pâtisserie 5. Oh, le divertissement, il est en chute libre. Une chute libre. Comment ils sont crades, on dirait mon apô. Bah, on dirait le Lord and Lady aussi. J'ai un bug chelou. J'ai mon ado qui est censé être à l'école. Il est à la maison faire du bricolage. Pourtant, quand je clique sur sa photo, ça me dit qu'il est à l'école. Ah. Ou inversement, des fois, il est rentré à la maison et il te dit qu'il est toujours à l'école. Et qu'il est grisé. C'est très bizarre. Enfin, c'est un peu le même délire, quoi. Ma partie est morte. J'ai envoyé mon Sims à l'université et il peut plus rien faire. Aïe! Bah, tu peux manger. Et puis tu vas écouter la musique. Radio pour enfants. Voilà. Et elle a fait... Oh, il y a du frometon à bouffer. Comment ça, du frometon à bouffer? On m'a pas prévenu. C'est là, hein, Georgette. Hein, c'est sous ton pif. Il y a plein de bouffe partout. Là, il y a des brownies. Ah, bah, du coup, elle bouffe. Ah ouais, j'avoue. Bah, fais ton fils avant. Alors, attends. Parlez. Je comprends plus rien là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, tu vas faire lui avant. Allez, fais le bain de lui avant, ce sera fait. Oh putain, il y a des merdes partout. Il y a des merdes partout. Je comprends plus rien, mais c'est pas ça. Ah si, les cafards sont de retour. Qu'est-ce que tu fais? Mais va le laver! Mais j'en ai marre, moi! Putain, du Sims! Tu me fatigues. Ah, tais-toi, toi! Fallait pas prendre ton temps pendant 10 ans. Tu étais toute plainte là. Et oui, ton frère est passé au Karcher avant. C'est comme ça. Fallait pas perdre du temps. Donc, toi, oui, tu regardes la télé. Toi, t'as qu'à bouffer une autre fois, encore une fois, s'il faut. Une autre fois, encore une fois. Oui, Charlie, oui, t'as raison. L'époque des Sims pour en faire une longue liste. Oui, écrire un livre d'ailleurs. J'espère que vous l'achèterez mon livre, parce que c'est moi qui l'ai écrit quand même. Hein, vous me le vendrez, vous me l'achèterez. Hein, mon livre. Au pire, ça veut du fromage à la cassotto raclé. Oh, t'es horrible. T'es horrible. Bon, merci Nisova pour ton follow. Bienvenue à toi. Ah, salut, que je te vois dans le chat. Non mais franchement, qu'est-ce que faut pas lire dans ce chat? En ce temps-là, elle a droit à une pause, elle va faire pipi. Oui, j'ai cliqué déjà, tu peux y aller. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah là là, je suis énervée, viens bouffer du pain au fromage, ça va te calmer un coup. Surtout s'il est dégueulasse. On va réussir, on va réussir. Regardez, les enfants, ils sont remontés comme Jaja là. Elle pose son assiette, c'est parfait, elle pourra la laver. On va y arriver, on va y arriver. Sakura, allop. C'est parti. Tu fais rien, toi? T'as rien prévu, hein? Alors, mon petit cop-cop. C'est bien, tu te détends, tu manges. Et manger, hein? Parce que là, tu as ton assiette dans la main, mais voilà. Et ils vont déjà aller bosser. Je pense que je vais les foutre à la garderie hein, quand ils seront au boulot, parce que là c'est pas possible. Et merci beaucoup Fred pour ton follow, bienvenue à toi. Et merci à Décrive également pour son follow, bienvenue tout le monde. Madame
Qui dit bien mon pseudo incroyable? C'est ah, une madame quand même. Je suis pas mariée, hein. Pas encore. Il est pas motivé. Bah non, bah c'est logique. Pourquoi les gens ils disent comment? Mais ouais, bienvenue. Pas de souci. Pourquoi il est triste? Qu'est-ce qu'il a? Amour à la dérive? Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais t'as lavé ta gosse? Mais va laver ta gosse! Oh, il y, oh, y a les souris qui sont sorties pour ça. Oh, c'est le bordel. Oh, c'est infernal. C'est les... Alors, Copper. Puis, et comme ça, il va devoir se laver juste après. Ça va être superbe. Voilà. Hein, il y a tout. Il y a les bestes, il y a les souris, il y a les cafards. Ça va être beau. Hein, ça va être... Et bien sûr, il va avoir son hygiène qui va... Parce qu'il aura mis un attrape-souris. C'est bizarre, il l'a pas encore fait. Allez. Tu les éradiques. Mais qu'est-ce qu'il y a, bichon? Va parler à ton nounours. Va parler à ton nounours. Il va comprendre tes malheurs. Tu laisses ton père tranquille. Il a d'autres chats à fouetter. Et d'autres choses à faire. Hein, c'est bon? Et il pue pas la mort. Mais quel bonheur. Alors, on va lui faire travailler ses skills, hein, parce que là, pas commencé. Il travaille. Il travaille aussi dans 2 heures, donc ça va être compliqué. Tu vas programmer... Continue à créer le virus. Allez, vas-y mon chou. Je crois en toi. Je rappelle que c'est Copper l'héritier, donc on a des objectifs avec lui. J'ai failli m'étouffer. Amour à la dérive, mais mec... Il a de quoi. Ouvre les yeux. Bah, surtout qu'elle est juste avec ses enfants, en fait. Donc, à moins qu'elle soit un peu perverse sur les bords. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ils sont pas bien, les gens. Mais salut, Apokeli, comment tu vas? Apokelips? Ah, pas mal, le pseudo. J'aime bien, comment tu vas? Nizova? Ouais, non, mais c'est parce qu'ils savent pas qu'avec un Y, c'est logique que ce soit S, en fait. Enfin, je sais pas, moi, ça me semblait logique, Nizova... Les morveux, une grande histoire d'amour. Ah ouais, non, mais alors ici, moi, j'ai toujours envie de les tuer. Ils sont mignons. Tu m'aurais vu au début de live, j'étais là. Ah, mais ils sont trop kiki. Maintenant, j'y m'énerve, tu vois. Moi, j'ai fait le ménage, femelle. Qu'est-ce que je suis méchante. Faire un élevage de souris. Ah, mais oui, et puis en plus, après, tu les bouffes. Ça fait de la protéine. Et puis, tu utilises la fourrure pour faire des vêtements. Pour l'hiver? Pour survivre? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'était pas bon ce que j'ai mangé! Mais vas-y, casse-moi pas les reins là! Joue au. Attends, t'avais pas déjà le chat toi? Si. Non, mais il squatte tous les jouets lui! Laisse le chat à ta soeur aussi un peu, non? Qu'est-ce que tu fais toi? Mais viens bouffer, Gertrude, hein, sinon tu vas. Alors, en exploitant un espace de. Recherche tampon saturé non protégé et fonctionnant en sous-régime. Évidemment. Copper a pu infecter des milliers de systèmes anciens. Les machines zombies ont surchargé les réseaux bancaires du monde entier, lui rapportant 150 simflouz. Waouh. Tout ça pour ça. Alors déjà qu'on avait du mal à survivre dans cet appartement à cause de tous les problèmes qu'il a. Depuis qu'il y a les enfants... C'est quand même vachement plus compliqué, j'ai l'impression. C'est juste une impression que j'ai. Hein. Je peux peut-être me tromper. Je suis d'accord pour le S de Nisova. Ouais. C'est peut-être parce que t'as jamais été dans les apparts à problème. Si, 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 avec Lila. Si, si, on avait le. C'était pas le même appartement, mais on avait le même, les mêmes soucis. Mais il y en avait. C'était pas autant, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Ah, c'était pas à moi, pardon. Ben, en fait, c'est marqué, c'est un appartement avec travaux nécessaires. T'es obligé à la génération orange d'y habiter. Jusqu'à temps qu'il soit à l'âge adulte. C'est pour ça qu'on va bientôt déménager et ça sera tant mieux. Petite dédicace à ma collègue qui regarde en sous-marin. Eh ben, dédicace à la collègue alors, hein. Coucou. Rien ne se perd, tout sur cycle, évidemment. Et même que les dents des rats qu'on aura dépecées, là, on peut en s'en faire des petits colliers. C'est spécial, je te l'accorde, mais... Chacun son style.
Non, mon compte avec un S et un Y, pourtant ça se dit. Ah bon? Jacqueline est en retard pour le boulot? Ah oui. Mais pourquoi elle veut pas y aller? Merci. Je suis un peu en train d'être dans le gaz hein, aujourd'hui. Voilà, mais bien que je ne mets pas en vitesse 3 parce que j'ai déjà un peu de mal à l'heure. Ah, voilà. Des mini-outils avec des autres souris. Oui, c'est ça. Et recante. Hein. Je vais aller travailler. Allez, vas-y. Ah, ça va être garderie pour les gosses. Hein. Là, par contre, garderie. Et il est fier, regardez-moi comment il va travailler, fier, gaiement. Garderie. Et tu vas lécher les bottes du patron, mon chou. Alors, on les entend encore chouiner, mais ils ont disparu. Mais en fait, ils sont au même endroit, hein, mais... Voilà. Triangle. Il est encore vénère pour son amour à la dérive, là, il se fout de ma gueule ou quoi? Sa femme, elle fait rien. Alors, au plus profond d'Internet, l'oracle surfe sur les... Mais c'est qui? Je sais pas c'est pour qui là. Au plus profond d'Internet, l'oracle surfe sur les vagues qu'elle a. Quelle est la... Oh là là, putain! Sur des vagues qu'elle est la seule à comprendre. Soudain, un compte impossible à identifier la contacte. Nom d'utilisateur, triangle. Message, j'existe. L'oracle doit-elle répondre à triangle ou ignorer ses messages potentiellement dangereux? Est-ce qu'on répond à triangle ou on ignore triangle? Salut Aureline, comment tu vas? Non mais oui, il n'y a pas eu la notif sur... je sais pas pourquoi. Les bots, ils sont en grève aujourd'hui. J'ai trop live hier soir, il s'est dit, oh non, pas encore. Oui, des toilettes. Le vrai que c'est pas le nom de job de la femme. Si, je crois, mais je comprends pas pourquoi c'est pas clairement dit, donc on va quand même jouer le jeu. Alors, on répond, on ignore... On répond, on ignore, on répond, on répond, on répond, on répond, on ignore. Bon, c'est plus pour répondre quand même. Hein. On répond. Allez, on va répondre. Oui, c'était pour elle. L'oracle reçoit une réponse automatique des assurances de vie triangle. C'était un spam, quelle déception. Là, ça sera pour mon petit Copper. Oui, conflit informatique. En tant que pirate en herbe, Copper s'offusque lors d'une dispute, pardon, un de ses collègues ait osé le qualifier de novice du code. Quoi de mieux pour contre-attaquer que de pirater ses propres collègues? Ah oui, c'est pas mal ça. Inutile de faire quelque chose de trop nuisible. Une simple prise de contrôle des écrans avec un message vantant les prouesses en piratage de Copper devrait suffire. J'ai du mal. Copper va-t-il pirater ses collègues pirates ou oublier cette insulte? Pirater les pirates, Copper augmentera sa notoriété et il sera licencié, donc malheureusement on ne pourra pas le faire. Ou ignorer l'insulte. C'est dommage. Bah non, parce que si je fais ça, je perds son taf et le but c'est quand même d'aller au niveau 10. C'est l'objectif, donc en fait je peux pas. Sinon j'aurais aimé le faire, mais là malheureusement on peut pas le faire. Dure journée au boulot, on va survivre. Sans avoir loupé le live. Ah oui! Ouais. Alors, ça c'est bon. On les entend chouiner, mais ils sont pas là, vous inquiétez pas. Travaillez dur. Et du coup, effectivement, ils sont déjà de retour. Célébrité et une étoile. Et elle est fatiguée. Et eux, ils sont pas fatigués. Ah, si, un petit peu. Si, un petit peu quand même. Alors, lui, il a la dalle. Bah, écoute, tu manges. Voilà. Arrête. Ton père n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux faire? Et toi, ma biche, bah, tu vas jouer au cube. Tiens, pendant ce temps-là, tu vas être tranquille. Elle va venir se faire une douche, là. Bonne douche des familles. Allez, Jeannette! Divertissement, ça pue hein, quand même. Et tire à dormir. Pourquoi triste? Rejeté par le triangle. Dès qu'ils pourront, ils feront crac-crac hein, parce que c'est pas possible. Hein. Niveau divertissement, ça marche pas. Hein. Mais de quoi t'es. Déjà, de où t'es jaloux? T'as pas le trait jalousie, hein, ce que je sache. T'es sûr de toi, malveillant et glouton? Mais elle a pas de... Ça va pas bien. Il va pas bien, hein. Elle a rien fait, elle s'occupe des gosses et lui il est jaloux. Ah, parce qu'elle s'occupe des gosses, il aimerait bien se faire changer les fesses.
C'est ça le problème. Il aimerait bien que sa femme lui change la couche de temps en temps. Oh merde, j'ai fait frapper. Oh, tant pis, hein. Il fera ce qu'il veut, le gamin. Remarque, j'ai jamais fait frapper pour Nounours. Eh, ça fait longtemps, tiens. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça que tu frappes? Bah, tu frappes comme une fillette. En plus, t'habilles en rose, wesh. Je fais pardon, une patiente. Il est jaloux que ses enfants s'arrivent à des pères. Bah, ouais, je vois ça, ouais. Tu penses que c'est un style de vie? Bah non, mais il y a... Raison, jalousie. Mais non, parce qu'on n'avait pas joué style de vie. Mais il n'y a rien. Hein. Casanier en cours, sociable en cours, technophile en cours. Bourreau de travail en cours. Ouais, je sais pas. Fais un câlin. Fais un câlin, fais un baby, fais un câlin. Et après, tu vas jouer un peu avec ton truc là. Et puis après, tu te piotes. Je veux plus t'entendre parler. Et elle, là, elle fait ses trucs tranquilles. Ça va, elle. Ça va. Elle est sage. Elle est sage. C'est toujours une histoire de fesses. Moi, j'en sais rien, moi. Mais pourquoi il serait jaloux? Et après, c'est parce qu'ils sont pas mariés, mais je comprends pas. Il y a personne dans l'appartement à part sa femme et ses enfants, et il est jaloux. Faut qu'on m'explique, parce que là, je comprends pas. Bon, il revient à quelle heure déjà? 10h du mat. Encore une heure. Ça, après, les gosses, je les envoie au lit. Et pendant ce temps-là, les parents pourront dormir également. Ouais! Trop bien. Arrêtez. Et lui, il est bugué, le gamin. Je vais le débugger. Tac, parce qu'il avait le truc du gosse de papa coincé. Tu vas jouer, après tu vas dormir. Enfin, au moins, c'est fait. Papa, il va bientôt rentrer du taf. Puis, il aura besoin de dormir, hein. Voilà. Par contre... Ah non. Ah, mais il est rentré. J'avais pas vu. Oh, vu, je l'avais pas vu. Elle vient dormir parce que là, ça devient voilà, non négociable. Vous ferez crac-crac dans la douche, à l'abri des regards des enfants, parce que comme il y a, bon, il y a un problème, hein, il y a un petit problème de lit et de dormissage. Elle va dormir, bébé. Qu'est-ce que... Mais pourquoi il y a Super Lama qui est rentré dans l'appart, là? Mais pourquoi? La semaine dernière, on a déjà eu ça. Dégage! Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais... Ah, les factures. C'est bon. Bah, dès qu'elle se lève, elle ira payer les factures. Hein. Non, mais c'est pas parce que t'es le nounou. Ça y est, c'était notre meilleur pote. Faut pas croire à des trucs, des choses pareilles, hein. Mais c'est bon, là, ils vont me saouler avec le... Je crois que le truc geek, il est en bas, c'est ça? Bah oui, il est là. Mais on a des... Nous, on est décalés, hein. Ils dorment la nuit, hein. Enfin, ils dorment la journée, je veux dire. Ils dorment la nuit. C'est logique. Oh, pas de soucis, Yanana. Elle a pas nettoyé la saucisse depuis longtemps. Un petit crac-crac dans la douche pour montrer à monsieur que tout va bien, ça se passe... Oui, c'est ça. Elle paye les factures, elle lui nettoie la... Oh! Oui, c'est vrai, on va sauvegarder un petit peu, j'avoue. C'est pas le plus beau... On n'a pas beaucoup avancé, mais c'est toujours mieux que de tout refaire depuis le départ. Hein. Avec les Sims, on n'est jamais trop sûr de soi. J'ai eu peur. J'ai eu très peur, là. Ça a été un peu long. Bah, ça va, elle a l'air bien dormi, elle. Et là, bah, ça va. Ça, dès qu'elle se lève... Hop, voilà. Le chiotte qui a toujours pas été nettoyé. Et qui pue la mort. Pendant que les enfants dorment, elle s'occupe de la maison. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, ça va, c'est la voisine. Mais j'ai peur, moi. Qu'est-ce qu'ils viennent squatter à la baraque? Allez, c'est bon, t'as assez dormi. Tu laisses Copper faire sa life. Allez, elle doit pisser.
C'est bien, t'as réussi à mettre. C'est bien. Ah, je suis fière de toi. Mais qu'est-ce que. Mais elle aussi, elle fait partie du. Mais. C'est une adolescente, mais elle s'habille comme elle quand elle va au boulot. J'ai pas compris. En même temps, je pense qu'on me demande pas de comprendre à bout d'un, à certains stades. Et ah ouais, non, tu peux pas regarder la télé à cause de pull, coup, j'allais dire. Non, c'est bon, tu vas pouvoir ça là comme ça il va manger avec toi. Et il a assez dormi quand même, il a pas mal dormi. Ah mince, il y a plus de pain. Oh zut, flûte mince. Est-ce que tu vas devoir refaire à manger? Ouais, attends, prends des pâtes. Des bonnes pastas. Vas-y, va manger des bonnes pastas. Et tu. Oui, alors tu vas regarder la chaîne et après, si les enfants dorment encore, vous irez à la douche. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a les cafards qui sont revenus. Bah, si t'es dispo, vas-y, hein, fais le ménage. Hein. N'hésite pas. Rajoute Daïché à la maison, c'est ça? Et re-Orbria. Oh la vache. Ouais, vas-y, fais le ménage. Ah! Fais le ménage, Jeannette. Ça lui bouffe. Hey! I just met you! And this is crazy! Na na. Non mais c'est bon! What? C'est pour ça qu'il était jaloux. En fait, je sais pas, il y a eu un truc avec le nounou. Je sais pas qui, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit elle qui l'ait fait, hein. Mais comment ça, le nounou? Ah oui, c'est vrai qu'il faut ouvrir le profil. Mais j'ai rien vu, moi. Jean-Pierre repasse le magnéto au ralenti, là, j'ai pas eu le temps de voir. Hein. Bon, tu manges. J'ai encore à l'appeler Pulco. C'est bon, il a mangé. Crac, crac. Allez hop, dans la douche. Profitez-en que les gosses dorment. Allez. Crac, crac, dans la douche. Crac, crac, dans la douche. Ouais, petite tenue, ça fait de l'effet à la nounou, tu m'étonnes. Non mais éteignez la musique aussi, ça va réveiller les gosses. Ah, alors. Qu'est-ce que... Ah, il y a une nouvelle icône style de vie. Contrôle des émotions. Allez, crac, crac. Oh là là. Ouh, c'est chaud. Oh. Voilà. Ah, regardez-moi ce divertissement là. Ouh là 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 là, le divertissement, ça va bien. Ah, Copper. Oh là là, ça va beaucoup mieux. Non, Autumn, on est un peu occupé là. On est physiologiquement occupé. La barre du pipi du matin. Quoi? Il a la barre du pipi du matin, Madame Action. J'ai rien compris, Épaulinette. Ou alors, t'as une rêve que je ne comprends pas. Oh, regardez, il est ouvert! Bah, elle a juste un peu faim. Mais elle va manger. Elle va bouffer. Oh, là, les gosses. Oh my god. Je vais sortir les pattes. C'est bon, il devrait en rester assez pour les chiards. Ah oui, ils ont fini! Voilà. Il y a à bouffer, cocotte. Vas-y, va. Va manger, c'est prêt. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Copper. Copper, tu vas me faire un petit pipi. Comme ça, tu seras nickel chrome. Laisse les gosses tranquilles. Tu vas s'occuper des cafards. Non. Non, tu vas pas t'occuper des cafards. Qu'est-ce qu'on va te faire faire? Il faut que tu travailles. On va te faire créer un virus et tout le machin. On va y arriver. Comment? Non, pas commander. Programmer. Créer un virus. Voilà. On va le faire travailler. Augmenter ses compétences. Et puis elle, quand elle aura le temps, elle apprendra à ses enfants. Ah, j'ai pas le temps, on va remplacer parce que là, c'est pas possible. On va apprendre à ses enfants à utiliser le popo. Comme ça, oui, t'avais faim, gamine, je comprends. Après le manger, la petite fait popo parce que là, ça, on va jamais y arriver sinon. C'est moi, le lit du gamin dans le couloir. Oui, Nana, c'est parce qu'en fait, j'ai un problème, j'ai pas pu changer les murs. Je peux pas changer les murs, j'ai un problème sur mon appartement. Il a pété l'ordi. Tu déconnes, il coûte combien? Allez, 500, c'est bon.
On recommence, c'est là. J'ai essayé, je n'arrive pas à... On a un souci, en fait, c'est buggé. Donc je peux pas... J'ai voulu agrandir la chambre, mais en fait, j'arrive pas. Donc j'ai fait comme je pouvais. Voilà, donc c'est comme ça. Sauvegarde sieste, pas mal. Hey, encore une petite sauvegarde là qui fait du bien. Et du coup, merci beaucoup Nana pour ton follow. Bienvenue à toi. Voilà, on a un petit bug sur cette partie. C'est un peu compliqué en plus avec l'appartement qui est tout pourri et tout. Va fololo avant les 1700. C'est ça. Ça va vite, hein. On a passé les 1600 il n'y a pas longtemps. Ça me fait plaisir. C'est très drôle. Ah oui, ça c'est sûr, c'est pas hors commun. Sachant qu'on avait les deux berceaux ici, donc moi je me dis, bah c'est pas grave, on va faire une chambre plus grande quand même pour mettre les deux lits, parce que l'appartement est tout petit et on peut pas encore déménager, bientôt. Dans une vraie maison, on aura plus de place. Mais là, c'est complexe. Janine? Je veux pas être méchante, mais t'as du taf. Allez. T'as plein de taf, t'as aussi les cafards, t'as... Y a tout, voilà. Cet appart. Mais je clique où pour les cafards? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, elle a trouvé plein de trucs. Merci beaucoup Orphidia pour ton follow, bienvenue. Merci beaucoup et bah merci beaucoup. Je sais plus ce que je raconte moi à cette heure-ci. Je suis légèrement fatiguée. Parce que vous voyez les enfants, hier c'était mon anniversaire, donc j'ai fait un live dans l'après-midi, puis un live dans la soirée. Et dans la soirée, les abonnés, ils m'ont fait la fête. Hein. Ça a été bien. Mais du coup, je me suis couchée assez tard et je suis assez fatiguée. Donc, je suis un peu déconnectée dans ma tête. Mais normalement, ça va. Voilà. L'écran que vous avez vu, c'est le vaisseau pour Blue Screen of Death. Oui, et oui, Quentin, c'est vrai. C'est vrai. Mais bosse, toi, au lieu de t'occuper de tes gosses. Mais elle est partie se plonger dehors, mais c'est une grande malade. Mais t'es pas bien dans ta tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah ça c'est du look, hein, madame. Madame, elle a le look, hein. Elle est où? Ah c'est bon, elle est partie nettoyer. Ah non, mais tout va bien. Et le petit, mince, le petit, quand tu veux, tu... Vas-y, lève-toi et tu vas manger. Parce que sinon ça va pourrir dehors, là, comme ça. Ah non, je crois que c'est buggé en fait. Tu écris ton virus. Chamallow est très fin. Oui, il va aller manger comme un grand. Pendant que maman gère tout, elle fait le ménage, les trucs et tout. Laisse tomber, c'est le bordel. Les potes en question ont été nos témoins de mariage. Attends, j'ai loupé un truc. C'est que l'idée. Alors, le magasin rayon des knackis devant plein de monde. J'ai pas compris. J'ai. Hein? Et après, tu vas prendre le pot à ta fille. Parce que c'est elle qui a fini à... qui est prête. Oh, non, elle s'est fait dessus déjà! Mais tu pouvais pas attendre 5 minutes! Courgette! Oh, il a mis la bonne musique. C'est long quand même pour s'occuper des cafards. Alors, ça va dans le frigo. Ah, je les entends qui font des... Un peu comme quand je faisais du house flipper, là, qui avait tous les cafards, c'était dégueulasse. On les entendait, les bruits des cafards de l'autre côté de la maison, c'était dégueulasse. J'ai pas compris non plus. Bon, voilà. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais, faut remonter, mais moi, du coup, je capte pas tout. Bouillir des knackis avec des vraies saucisses afin de voir la solidité et la dureté de la chose, mais avant, on avait regardé... J'ai pas plus compris, je suis désolée. Allez, va prendre à ta... Oh, ça y est, bah elle s'est occupée des cafards, donc elle pue. Bah tu fais le pipi avant à ta fille, hein, comme ça au moins c'est fait. Même si elle s'est déjà fait dessus, c'est pas grave. Et après tu pourras lui changer la couche du coup. Soin donné. Parce que sa couche, elle a un peu baissé. Hein. Parce que les gamins, il faut que ça apprenne le pot, parce que sinon on va pas s'en sortir. Ça va être terrible. J'ai rejoué House Flipper avec la manette, c'est mieux qu'au clavier. Ah ouais? Oh, c'était pas compliqué au clavier quand même. Hein. C'était clavier avec les flèches directionnelles. Non, franchement, c'était pas très compliqué.
Bon, compte toujours qu'on réessaye de jouer au flipper hein, au live. Hein. Toujours qu'on relance un peu. Et qu'est-ce qu'il fait lui depuis tout à l'heure? T'as fini de manger? Ah oui, il a eu manger là-bas. Il peut faire pipi. Alors. Non, vas-y, arrête. C'est pas grave, elle apprendra toute seule et tu vas le mettre lui sur le pot parce que lui il va vraiment apprendre ce qu'il a, il a envie. Ne vous inquiétez pas, la gamine continue, logiquement. Ou pas. Ou pas. Allez, va faire le câlin, va qu'est-ce que c'est, va babiller, t'arrêtes, voilà. Occupe-toi comme tu peux. Ça va, Copper? Tout se passe bien? Tu crées ton petit virus, là? Travaille dans 2 heures. C'est bon, en plus, il a terminé. Bah, vas-y, bah, arrête, alors. Nickel. Ouais, fais le ménage. Allez, hop, t'es dispo, tu fais le ménage. Après, je vais te remettre un peu au charisme, tiens. Il y a plein d'objectifs à faire, hein. Il est pas prêt de les avoir. Hein. Comment ça, boobies? Tu t'enseignes déjà des trucs sexuels à ton fils? C'est un bambin. Pourquoi tu lui parles de boobies? Allez, regardez ton frère qui fait pipi ou quelqu'un. Ça va te faire apprendre des trucs. Travail de copère dans 1 heure, c'est bien. C'est bien, mon cop-cop. Alors, malice, programmation. On avance tout doucement. Ça va. Charisme, là, on va bientôt arriver à 6. Boobies ou ça? Bah, moi, j'ai entendu la mère qui a dit boobies. Hein. Oh, l'esprit de Lila est en train de disparaître, la bouffe bichette. Dans un PC, y a du copper. D'accord, Valoucha. Heureusement que j'ai pas lu ta phrase à haute voix. T'as fini de regarder? Non, mais va regarder ton frère. Tu vas voir, il est très intéressant quand il fait caca. C'est passionnant. Et voilà! Il a fait un gros caca qui pue. D'ailleurs, toi, tu pourras être... Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui chie, mais on dirait qu'il t'a chié dessus vu que t'es devenu crade au même moment. C'est dégueulasse. Mais vous savez quoi? Non, mais arrêtez. Vous allez faire peur aux gens là, avec vos conversations cheloues, là. Ah, tu me diras. Moi, je viens de parler de caca qu'elle se fait dessus. C'est pas grave. C'est... On pardonne. Alors, les enfants, vous allez discuter entre vous. Voilà, parler de jouets. Ils sont mignons, ces petites têtes blondes comme ça, là. C'est trop choupi. Allez. Dire n'importe quoi. J'ai pas encore fait mon screen pour la miniature, hein, les enfants. J'ai pris les petits, mais j'ai pas pris Copper. Ce serait cool que... Ah, va taffer. Mais tu t'habilles plus pour aller bosser? Il a plus envie. Et elle bosse pas. Ah non, elle travaille pas. Oh, elle va pouvoir s'occuper des mioches! Les toilettes sont propres. Je me souviens pas avoir... Vas-y, tu peux y aller. Alors, pipi comme une championne. Regardez-moi ces petits cœurs là. Quand ils sont mignons, ils sont gentils comme ça. Moi, ça me va. Hein. Qu'est-ce qu'il a, triste? Ah oui, papa, il est parti au boulot, donc... Bah écoute, tu vas aller jouer avec ton fils. Tu vas le réconforter. Et puis, tout jouer. Ouais, c'est ça. C'est ça, le jouer, le machin, comme ça. Merci beaucoup, Lila. Oh, bah tiens, Lila. Merci beaucoup, Lila, pour ton follow. Regarde, la maman de Copper, elle s'appelait Lila aussi. C'était l'héritière du Notre Sobéry. Regarde, elle est là. C'était une belle meuf quand même. Hein. Mais bonjour à toi. Merci beaucoup pour ton follow. Et bienvenue. C'est pour la musique. Je sais pas ce que c'est comme station, mais... Électronique. Ah, ils ont peut-être remis des nouvelles chansons. Ouais, ben ça, elle s'occupe du petit. Ah oui!
moi j'aime bien cette animation. Elle est trop choupette. Ça, le gamin, il va mieux. Il a l'attention au top. Ah, la petite, elle commence à puer. Ah oui, c'est vrai, je devais changer sa couche. Et elle danse. Tu vas changer sa couche quand même, on s'en fiche. Alors, non, c'était dans... Besoin de donner un bon bain. Non, pas donner un bain. Mais non, Jacqueline! Je me suis trompée. Bah, y'a plus. Y'a plus changer de couche. Ouais, tu vas faire des grimaces et puis tu vas la féliciter. Allez. Cette animation, elle me fait toujours me sourire. Moi, je la trouve vraiment trop mignonne. Bonjour, Lila. Arrêtez, vous allez me donner envie. J'ai des knackis, moi. Oui, mais on avait dit qu'on ferait des knackis. J'ai des knackis dans mon frigo. Qu'est-ce que vous foutez? Allez. Ça va, elle va se mettre 10 ans pour monter là, pour que sa mère aille à côté, pour finalement descendre, non? Racontez une histoire drôle. Ouais, elle pue, hein, la gamine. Hein. Allez, avant que ça dégénère, tu vas lui donner un bain. Allez, voilà. Il est en train de danser comme un ouf, lui. Coucou Verveine, coucou à toi, regardez-moi comme il est choupi. Mais salut tout le monde, merci pour ton raid et bienvenue tous les nouveaux arrivants du raid. J'espère que vous allez bien, j'espère que ton live s'est très bien passé. Merci beaucoup. Regardez comme il est trop choupi. Il est trop mignon ce gamin. Donc on est sur le Notso Berry. Si vous connaissez à peu près le challenge... Et nous avons les enfants de la génération rose qui sont bambins, puisque c'est des jumeaux. Hey, merci à Lydia pour l'abonnement YouTube également. Donc voilà, donc pour l'instant, notre héritier, lui, il est le boss, mais il y a sa femme qui s'occupe des petits. Et vous arrivez un peu au bon moment, parce que tout à l'heure, c'était un peu la Bérésina. C'était affreux, personne n'allait bien. Mais là, ils vont bien, et c'est propre dans la maison. Donc vraiment, c'est beaucoup bien. C'est beaucoup bien comme ça. L'animation a bugué, c'est moche à voir. On aurait dit que le père se faisait... Ah oui, d'accord. Non, j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu ce genre de bug. Et salut, Verveine. Comment tu vas? Ah bah, voilà. Ah bah voilà. Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre avec les bambins. C'est toujours comme ça. Donc tu vas m'arrêter... Manipulation réussie. Quelqu'un a accordé de l'importance à ma colère totalement raisonnable. Qui a dit que piquer des crises ne servait à rien? Oh, le saloperie. Oh, la saloperie. Oh, tu vas finir sur un piquet, toi. Tu vas voir, je vais t'embrocher. Non, tu vas pas lui miner la journée, tu vas l'engueuler. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais dis donc. Éducation. Disciplinée. Ferme. Dire de ne pas mettre le bazar. Oh, le... Oh, la saleté de chat. D'enfant. De chat. Très bien. Ma foi, très bien, je suis encore en pleine découverte du nouveau bagage. Ah oui! Bah, pareil, hein, j'ai pas encore tout vu. Hein. On a même pas. J'ai même pas encore essayé de monter sur le mont, là. Donc, voilà. Un challenge que je connais pas. Faut vraiment que je me mette à la page là-dessus. Ah, mais c'est un challenge qui est connu, quand même, dans le monde entier. Mais qui. Comment dire? Je sais plus. Il est pas très récent. C'est voilà. C'est sympa, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un legacy sur 10 générations et chaque génération a une couleur associée et des objectifs précis en fait. Tu peux pas choisir la. T'as déjà des objectifs à faire. Comme Pepper, elle était la génération menthe et elle était scientifique. Elle devait faire la collection d'éléments par exemple. Bordeaux, lui, devait être dans la politique et faire niveau 10. Enfin, réussir l'aspiration romantique en série, pardon. Et c'est ainsi de suite, en fait. Après, bah voilà, tu fais un peu... T'as aussi des choses qui sont imposées. Par exemple, vivre dans un appartement avec travaux nécessaires. C'est pour ça qu'on habite dans cet appartement dégueulasse, mal foutu et pourri. Et encore, pour l'instant, il n'y a plus de souris, plus de cafards, plus de fuite d'eau, tout ça. Donc c'est très, on va très bien. Mais normalement, on doit bientôt déménager. Parce qu'on doit attendre que mon héritier soit à l'âge adulte pour pouvoir déménager. Et c'est bientôt le cas.
Donc, on croise les doigts, quoi. Ça va bien se passer. Voilà, il a dans 0 jours, on pourra déménager. Ça, c'est cool. Et tu dois faire quoi? Ben, je dois remplir des objectifs. Copper, il doit être dans la donc génération orange, comme vous pouvez le constater. Il doit être dans la criminelle, carrière criminelle, et arriver au niveau 10. Donc, ben là, on est déjà au niveau 7. Il doit avoir des enfants qui sont obligatoirement des jumeaux. Donc c'est pour ça qu'on a les deux petits machins là, qui eux sont de la génération rose, par exemple. C'est pour ça qu'ils sont déjà tout en rose. Et Copper doit également donc atteindre le niveau 10 de la malice, du charisme, de la pâtisserie, de la programmation. Enfin, je pense que la programmation... Enfin, c'est selon les objectifs qui ont été donnés, plus ceux de la profession. Excellente. Il va peut-être nous avoir une petite promotion, hein. Si on gère bien, il peut peut-être nous faire une promo aujourd'hui, hein. Ce serait cool. Qu'est-ce que tu fais, toi? Parler? Faire une sieste? Ah, tu veux faire une sieste? Faudra éteindre ça. Vas-y, va faire une sieste. Va dormir même carrément, si tu veux. Donc, les enfants... Les enfants, ils vont aller faire une sieste aussi. C'est toujours bon à prendre, la sieste des enfants. Allez. D'ailleurs, ils se sont même pas habillés aujourd'hui, les gamins. Je viens de me rendre compte que maintenant, qu'ils sont encore... Qui sont encore en... Comment ça s'appelle? En body. Le sale gosse allait au congèle. C'est ça. Trop bien, c'est vachement cool comme concept de Legacy. Ah ouais, non, franchement, c'est sympa. Moi, je me suis lancée dedans il y a plus d'un an maintenant. Et en fait, c'est vraiment cool parce que tu bouges tout le temps aussi. Tu vois, on t'impose d'aller dans tel appartement, machin et tout. Donc, tu restes pas figé. Ah, les souris sont de retour. Tu restes pas figé, en plus bah t'as les couleurs, donc tu changes tout le temps, tu vois. Pardon, j'ai tapé dans mon micro. Et c'est des objectifs, mais c'est pas trop compliqué, donc c'est largement faisable. Donc c'est bien, franchement c'est cool. Pas de soucis, bah, bon app à toi. Merci, en tout cas merci pour le raid. Je me suis mis à la couleur du NSN. Pepper ma pref. Après, ils sont tous dispo, hein. Plus ou moins avec de la famille. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est, il pleure. Tu peux pas aller aux toilettes tout seul? Bon, maman, maman, lève-toi. Maman, lève-toi, tu vas prendre le pot à chamallow pour qu'il puisse faire popo sans que tu sois sur son dos. Et elle a la faim. Oh, purée. Purée de petits pois, viens là. On va te sortir un truc. Voilà, des brownies, là. Viens manger les brownies. Viens manger les brownies. Schlauf. Allez, et après, tu regarderas ton frère qui fait caca. Ou pipi, j'en sais rien, je m'en fous. Fais ce qu'il veut. Allez, Copper. Oh non, il est fatigué. Ah, Copper. Ah, la performance baisse, là. Ça va pas du tout. On va avoir une petite opportunité, ce serait cool là, le jeu. Parce que là, on a tout qui est bon là pour la promo. Si tu te fais des contacts. Ah, ça grimpe. Je vais le faire un petit peu comme ça. Il bosse qu'à ouais, 10h, donc on n'aura pas la promotion. Lui, il fait caca. Il a faim aussi. Ok. Ah, bah, il n'y a plus de brownie. Ouais, c'est pas grave. Tu iras manger après. Est-ce que t'as laissé dans la place dans le bide, tu vas les manger après. Ah mais d'accord, le mec il garde son pain pourri dans l'inventaire. Ah bah elle aussi à la fin, pendant que tu iras manger un bagel. Allez mon fils, fais un gros caca qui pue dans ton pot, c'est super. Promis, la maison qu'on aura après sera pas aussi pourrata. Ah oui, non c'est Berry avec un B, Quentin. Ça va être chaud niveau budget pour la maison. Ouais, oh, t'inquiète, on a vu pire. Eh ben, il n'y a pas eu de promotion, mon petit bichette. Alors, tu vas... Va te prendre un bain de mousse, mon coco. Va te détendre un coup, hein. Ça va te faire du bien par où ça passe. Le temps qu'elle arrive, son frère, il aura fini, hein. Ouais, il est déjà en train de faire. C'est pas grave. Maman, tu feras faire au pot à ta fille après. Ah bah, tu mangeras plus tard. Hein. Oh, il a fait un gros caca dégueulasse. Ah! J'ai pas mis Berry,
j'ai mis Vneri. Oh! Bah oui, mais je vous ai dit, je suis fatiguée aujourd'hui, moi. Effectivement, je me suis trompée. Notre sonnerie, n'importe quoi. Oh là là, Shirley, elle sait plus ce qu'elle raconte. Allez hop, au pot, cocotte. Coquettinette. Je reviens. Oh, Falouchkaya, t'as des enfants, ils sont bizarres aussi, tiens. Faut baisser le chauffage. Ou faut leur apprendre à mettre des slips, hein. Ça peut être bien aussi. Et re, madame J. Voilà. Eh bien, oh là là, que je suis fière d'eux, ces enfants. Je vais dire ça, mais je pense que je vais m'avancer trop vite. Mais les voisins, ils ont pas fait de... Ils nous ont pas emmerdés depuis un moment. Après, il est 11h du matin, donc ça me paraît logique. Qu'ils soient calmes à cette heure-là, mais... Après, il va aller dormir, Cooper. Lui aussi, il se balade à poil chez lui. Oh la vache. J'ai fait une partie de jeu, je suis partie, j'ai débloqué un exploit, je suis trop de fière. Ah oui! Il y a plein de trucs comme ça cachés et tout. Des fois, c'est. Tu t'y attends pas et tu fais ah, d'accord. Okay. Ah oui, on est beaucoup ce soir. Bah écoutez, n'hésitez pas à follow, hein, c'est gratuit. Je fais beaucoup de Sims 4. Quasiment tout le temps. Je fais aussi le Challenge Legacy à côté de ça. Voilà, où ben, en ce moment c'est un peu moins souvent, mais c'est très souvent le Legacy en lequel on joue. Et c'est les abonnés qui choisissent les prénoms, qui votent pour l'héritier. Et là, on vient d'élire un nouvel héritier la semaine dernière. Voilà, et puis sinon, en parallèle, je fais une construction aussi sur un manoir. Voilà, j'ai plein de projets pour les Live Sims à l'avenir. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Oh là, je fais ma propre promotion. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube, au cas où ça vous intéresse également, hein. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat. Voilà. Et puis tous mes réseaux sociaux. Comme ça, vous serez au courant des lives et compagnie. Voilà. Voilà. C'est tout pour moi. Ça me fait bizarre. Hein. J'aime pas trop faire ça. Mais... Tu peux voir tes exploits ou pas sur les Sims. Je sais pas s'il y a un truc pour vraiment gérer les succès. Je suis pas sûre, en vrai. C'est un peu... c'est obscur pour moi. Parce qu'en fait, t'as des trucs que tu réussis des fois des succès, mais tu sais même pas comment... Enfin, que ça existait. Ouais. Oh, merci beaucoup, Jessica, pour ton abonnement YouTube. Merci beaucoup. Allez, bois, ouais, je vais boire un coup. J'ai fini mon verre. Et bientôt le bachelor. Oui, on va faire le bachelor en live. Une sorte de bachelor. Par contre, elle est... Vous trouverez des gens un peu dérangés dans son Discord, mais ils ne mordent pas. C'est ça. Non, personne ne mord. En tout cas, j'espère. Ah, sur PS4, tu peux voir? Ah, ouais, donc c'est quand même possible. De toute façon, je sais que ça doit exister. Exister, pas exister. Sur Internet, à la limite. Mais ça existe, ça, le challenge. Un challenge où tu essaies de faire tous les succès. Donc ça passe par les jumeaux, les triplés, plein de choses en fait. Ce serait intéressant qu'on se trouve la liste une fois et qu'on se fasse un petit... qu'on voit comment ça fonctionne en fait. Quels sont genre les genres de succès et... ce serait marrant. Il y a une personne dérangée sur Discord du coucheur lit lui a fait son propre salon. Oh c'est méchant. En parlant du bachelor, j'ai créé mon Sims self pour aïeul. Pour Ayam, d'accord, merci, super, madame J. Oh non, t'as vu Ricardo, t'as vu ce qu'il a dit. Ouais, gros bisous boule, Ricardo. L'enfer. Et merci Kelly pour ton abonnement YouTube également, merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, sur YouTube, il y a beaucoup de challenge Sims aussi, d'ailleurs. Les lives, c'est que sur Twitch. Avant, je faisais sur YouTube, mais j'ai eu des soucis pour live sur YouTube, donc je suis venue sur entièrement. Moi, sur je mords, visage souriant. Coquine. Voilà. Alors, Jeannette, tu vas me faire la vaisselle, ça t'évitera d'allumer la télé ou quoi pour réveiller Jeannette et Jeannot, pourquoi pas. Et il fait pas encore des confettis, mais il va bientôt vieillir. On va pouvoir déménager. Apparemment, ça s'appelle la publicité YouTube Agent 21, boule.
Bah ouais, bah après c'est vrai que si on sait pas, tu vois, si les gens me découvrent sur Twitch, et c'est souvent le cas, on me découvre sur Twitch et puis au final ils savent pas ou on me demande si j'ai une chaîne YouTube, donc c'est pour ça que je le dis. Si vous me connaissez pas ou quoi, j'ai une chaîne YouTube, voilà. Bah n'hésitez pas à passer quoi. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais vous pouvez toujours passer regarder. Voilà, c'est tout ce que je dis. Tout... Ah, allez, attention! Grand Manitou gagner tous les trophées. Le 7 millième ciel, réussir à faire caca dans une fusée. Toute la nuit, faire un Sims rester. Ouais, ça, on l'a, ouais. Ça, c'est facile, ça. Héritage alphabétique. Jouer avec un foyer pendant au moins 26 générations. Oh! 26 générations! J'ai fait 10 max avec mon premier Legacy, quoi. C'est déjà long, hein, quand même. Vous vous amusez bien, faites atteindre le plus haut niveau de la carrière artiste à un Sims. Qu'à désespérer, avoir un Sims entrer et sortir de tous les principaux états émotionnels en 24 heures! Ah ouais! Ouais, d'accord, il y a des trucs, je suis vraiment pas au courant, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais madame? Mais il y a le ménage à faire? Mais qu'est-ce que tu te reposes, toi, sur tes lauriers, là, Ginette? Mais tu te crois où, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Parce que t'as le voisin, il est en train de faire le ménage. Ok. Enfin, il fait le ménage. Il bloque l'accès, comme d'habitude. Faut faire l'history plus le Lauren Lady plus le Decade pour faire 26 générations mortes de rire. C'est ça. Ça risque de faire beaucoup, quand même. Il a bloqué le truc ou pas? Putain. Va te plaindre au proprio. C'est pas à nous de le faire. Hein. Ça suffit. Hein. Bah oui, mais t'as les pieds dans dedans, en plus. Hé, hein, cocotte. Chabini. Eh bien, merci Bienvenue Naufel Gamer pour ton follow, bienvenue à toi. Belka. Benio. Ah, c'était la propriétaire, la lama. Bah après, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, mais bon, tant qu'elle m'embête pas, moi, tu vois, enfin, tant qu'elle squatte pas à la maison comme ça. Vas-y, débouche là, on a des trucs à faire. Ah ouais, t'es claquée, ma cocotte va dormir, j'avais pas vu. Allez, pousse! Bon, après, moi je suis propriétaire de mon propre appartement actuellement. Oh! Autumnberry. Mais, quand même, quand j'étais locataire, bref, j'ai jamais vu mon. Enfin, d'ailleurs, mes propriétaires, je les ai jamais vus de ma vie. Mais je pense pas qu'ils étaient habillés comme Note ça. de service. Je dis rien, mais je note les noms. T'as bien raison, Ricardo. Là là. Pour le succès, vous cliquez sur réussite au moment où on sauvegarde. Mais pour tous les packs, il y a beaucoup de succès à faire. Au moment où tout ça... Ah ouais! Amitié pour la vie. Se faire 20 meilleurs amis pour la vie parmi les Sims non contrôlés par le joueur. What? J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait ça. Ah ouais. Eh ben, vous savez quoi? Ça me donne envie, moi, de faire ça. Qu'on essaye de choper toutes les réussites. Tout en jouant avec une famille et on continue à faire des enfants et tout. Par contre, il faudra essayer d'aller plus vite, quand même, parce que sinon, on va jamais finir, quoi. Mais ce serait cool qu'on essaye. Avoir une famille de 8 fantômes jouables. Ça, on fera ça à la fin parce que c'est chaud de jouer qu'avec des fantômes. J'ai jamais joué qu'un fantôme en vrai, que je veux dire que je gère. Foyer de longue date, jouer avec un foyer pendant moins 10 générations. 8 sur 10. Ah oh, punaise, on va le débloquer celui-là, alors que j'aurais même pas fait exprès. Il y a tellement de trucs! 100 générations! Ah non, bah, je suis pas chaude là. Parce que si on commence à faire ça en live, on n'a jamais fini. En fait, dans 50 ans, on y est encore. Sur les Sims 4. Et les enfants, les petits culs. On va jouer encore 2 générations. Et... Puis je vais crever comme ça. En live. Bon, tiens, je sauvegarde du coup. Oh mon dieu! Bah oui, mais j'avais jamais vu, mais qu'il y avait ça. Qui c'est? Attends. Quand vous allez dans Options pour enregistrer, c'est ici, réussite. Jamais fait gaffe, moi. À la limite, je vais gérer les mondes, ça, machin. Générique, je m'en fous. Notre mise à jour, je m'en fous. Le son, je m'en fous. Aide, je m'en fous. Option du jeu et tout ça, oui. Mais pas. Voilà. J'ai jamais été là, moi. J'ai jamais fait gaffe. Ah bah oui, Marie, tu le savais déjà?
Ah mince. Et merci Loli. Loli Happy pour ton follow, bienvenue à toi. 100 générations. Mais j'ai vu quelqu'un qui était en Legacy, qui faisait mais qui, je sais pas combien de générations elle était, mais c'était impressionnant. C'était sur Twitter, j'étais là. Ah ouais! C'est l'anniversaire de Cop Cop! Ah, il a bien dormi, Cop Cop. Ah, je suis fière. Je suis fière. Elle, faut qu'elle aille pisser. Mais moi aussi, il faut que j'aille pisser, les enfants. Mais j'irai après qu'on ait fini le Nosoberry. Évidemment. Oh, Bichette! Va manger, mon coco. Oui, va manger, mon chouchou. Va manger. Les gosses, ils dorment. C'est crade, mais on va arranger ça. Hein. J'ai envie de tout les faire, MSR. Hey, mange. Parce qu'en plus, il fait à bouffer et il veut manger les pâtes qu'il y a dans le frigo. Bah, remarquez, moi aussi, ça m'arrive souvent. Je fais à manger. Et au final, je mange pas ce que je... Je mange pas ce que je viens de faire, je fais autre chose. Ah, je suis la pire. Mais du coup, je vais faire ce challenge et hop, encore un autre challenge. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai que... Mais ça, y a du taf, hein, par contre. Hein. Le fantôme de Quentin est là 2080. Quoi? Un enfant par génération est... Coule au ciel, le fantôme de Quentin est là 2080. Mais c'est ça, c'est que je me suis dit, à la limite, on pourrait tenter, mais ce sera en vie courte et on fait pas beaucoup de gosses, parce que sinon, on a... Enfin, en vie courte, le problème, c'est que pour les carrières, ça va être chaud, quoi. Ça va être compliqué. Quoi? Bah, mange! Qu'est-ce que tu fous, Jacqueline? Mange! Mais qu'est-ce qu'il... Hein? Tiens, il y a à bouffer ici, là. Viens manger. Après, t'iras faire le ménage. Oui, je maltraite mes Sims. Oui, faut le savoir. J'aime bien faire des blagues un peu beauf, un peu salace ou un petit peu humour noir. Voilà, ça c'est ma marque de fabrique. Je leur rentre dans l'art les Sims parce que moi je vais pas m'extasier pendant 10 ans en faisant oh là là il est beau, oh là 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 là. Ouais, c'est plutôt dégage, tu me casses les couilles quoi. Voilà, c'est du direct, c'est du franc et voilà. Alors, lui, il est plutôt pas mal. Et il travaille. Ah, c'est intéressant. Donc, tu vas me refaire un petit virus. Commencer le travail d'appoint. Déjà pour 10 générations, tu mets un an en jouant une fois par semaine, j'imagine. Pas 100 générations. Visage souriant, embarrassé. Non, parce que déjà, le Nosoberry, on est à la génération, je sais plus combien, la 5, 6. Bah, regardez, de toute façon, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 si on veut, bon après, parce que ça c'est la numéro 0, donc bon. Et ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé avec une life une fois par semaine. Le Legacy, on a commencé beaucoup plus tard. On a commencé en mars-avril et on est déjà pratiquement au même niveau. Ça dépend juste combien de fois on va jouer et combien de temps. Effectivement, si je me lance dans un challenge là, réussite. On fera ça en live avec des grosses sessions comme on a fait avec le Legacy. J'ai bien commenté la douce mort d'un Sim s'enfermer dans une mini piscine. Commencez. La vie courte, ça se tente, mais pour les carrières, ça va être compliqué. Un 100 générations, ça pourrait être redondant. C'est pour ça qu'il faudrait mettre du piment. Mais j'avais pensé à faire... Merci Loli, c'est gentil. Merci beaucoup. Et merci Ogmé pour ton follow également. Ouais, 93. Je sais pas si tu es du 93 ou né en 93, mais 93 RPZ. Voilà. Je sais plus. Alors. Donc oui, je m'étais dit faire un espèce de truc où tu fais qu'un seul enfant à chaque fois et t'as pas le choix. Après, ça peut arriver des jumeaux. Hein. On a déjà vu des surprises hein, sur ce live. On a déjà eu des surprises. Mais Sakura, je vais te dire... Mais tu vas pas bouffer un pain rassis? Je t'ai dit d'elle. Mais ces gosses, ils sont siphonnés du ciboulard. Hein. Et elle pleure. Copper, il clignote. Bon, on tente, on lui fait un gâteau. On va tenter le gâteau. Parce que dans le Legacy, ça a pas fonctionné, hein, le gâteau. Mais on va tenter. Le gâteau d'anniversaire. Après, sinon, tu enchaînes les challenges avec la même famille. Oui. Une fois qu'on a terminé le Legacy, on pourrait... On a la moitié du Legacy, hein, de toute façon. On pourrait continuer, mais... On a certains succès.
D'ailleurs, peut-être. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on recommence du départ? Je sais pas du tout. Du coup, c'est le 100 bébés challenge, je suis perdu. Ben, en 100 générations, avec un bébé par génération, oui. Ils s'appelleront 1, 2, 3, 4. T'es né en 93 et t'es du 93. Ben écoute, je vis dans le 93, donc RPZ. Voilà. Brr. 9-3, 9-3. Enchaîner différents challenges pendant 100 générations, histoire de varier un peu. Eh, c'est pas bête. On verra avec mon prochain challenge que je j'ai toujours pas fini de fignoler. Mais avec Escapade, il faut que je le revoie en mettant à jour. Mais le prochain challenge sur plusieurs générations, un jour. Bientôt. Janvier peut-être, si je suis motivée à vous le mettre en janvier. Ce sera en janvier. Ça a marché dans ta partie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mets les gatales. Tu l'as mis là alors qu'il faut le mettre sur une table. Une table. Ça, est-ce que j'ai mis des plantes là? Faudrait que je vire les plantes. Va mettre les bougies pour ton amoureux. Bon, tais-toi, arrête de pas. Merde, c'était manger qu'il fallait que tu fasses. Oh, c'est pas grave. Mais putain, mais ce gosse il mange pas! Il parle et après il est là. Et elle pue. Mais elle est tellement mignonne en blonde. Je suis choquée, quoi. Elle est trop chouchou. Voilà, elle fait la gueule, mais... Sinon, elle est trop mignonne. Et lui, il est content. Qu'est-ce que t'as fait? Commentaire maladroit. T'as été agressé ton fils. Fais gaffe, Copper. C'est pas bien, ce que tu fais. C'est pas propre. Je vais mettre la... Attendez, on va mettre... Mais j'ai déjà mis des plantes partout, en fait. Je m'en suis pas rendu compte. Tu vas mettre la plante là. Et on va mettre le gâtal là. Comme ça, on va fêter l'anniversaire. Tu veux inviter tes sœurs? Merde, il doit bosser. Oh non. Va taffer. On terminera quand il a... Parce que je voulais inviter les sœurs pour l'anniversaire, mais c'est pas grave. On terminera l'épisode quand il sera rentré du taf. Avec, j'espère, une promotion canapé. Promotion. Pas commencer. Il a fait quoi sur l'ordi? Je lui ai bien dit de faire un virus, là. Le truc, non? Oh bah tant pis. Écoutez, c'est trop tard. De toute façon, il est parti. Vas-y, lèche les bottes du patron. Mais, ils ont quoi? Ça y est, c'est bugué. Je le sens. Je le sens que c'est bugué. Sauvegarder. Je sens que c'est bugué. Je le sens. Ah, mais la coupe de la petite, ça vient avec Escapade. Ça lui va trop bien, elle est trop mignonne. Pourquoi ça me dit bienvenue sur le chat comme si j'étais partie? Non mais... Tout va bien OBS. Hein. Mange! Je crois qu'il aime pas le poisson ce gosse. Qu'est-ce que tu fous? Mais bouffe putain! Mais elle aussi elle est buggée hein. Ah non, mais là, c'est bon, là. Il a fait un plat, c'est bugué, c'est super. Allez. C'est super, ouais. C'est bugué, c'est super, c'est gugué, ouais. Allez, on va manger les pâtes au fromage. Parce qu'au moins, ça, c'est sûr comme plat. Allez, est-ce que là, les gamins, ils vont se faire enlever? Je pourrais tricher, mais... J'ai pas envie. Et toi, tu vas faire... tu vas jeter. Voilà, il y a un plat. J'ai encore un problème avec les assiettes, les plats et tout. Oh bah non, elle a pas eu à bouffer. T'es arrivée trop tard, Jacqueline! Tiens, mange un bagel. Dépêche-toi! Qui savent pas manger cette assiette-là? C'est bon? Parce que ça va aller, hein. Je voudrais pas perdre mes gosses alors que... Oui, c'est bon, lui, il mange. Ah, c'est bon. Par contre, elle se fait dessus également. Style de vie obtenu. Copper a débloqué le style de vie casanier. Super. Super. Je suis ravie pour lui. En même temps, c'est normal, c'est le confinement. Hein. Promotion canapé.
Pourquoi tu... Bah, cucu Paulinette, t'étais pas déjà là tout à l'heure? Je sens que Shirley va prendre Hélène pour le commencer. Oh, ma belle Hélène. Non, parce que je serais triste qu'elle meure trop vite, tu vois. Je la prendrais plutôt à la fin. Elle est chouette, cette mage. Bah, je sais pas. Après, j'avais déjà des problèmes au niveau de la bouffe, hein, avec les assiettes, les plats magiques et tout, là. C'était déjà pas très... Hein? Ah, yeah, bah, elle s'est fait dessus. Bah, t'attends que maman, elle mange, et puis... bah, lui aussi... Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu vas pas manger, tu viens... Qu'est-ce que c'est? Oui, bah, si tu veux, tu vas... Qu'est-ce que c'est, l'ordinateur, mais... Ils veulent pas manger, puis ils mangent. C'est logique. Moi, ça... moi je sais plus, au bout d'un moment, je... C'est le bordel. Allez, Copper, là! Une promotion. Promo, promo, promo. Promo, promo. Oui, travaille dur. Vas-y, travaille dur, 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 dur. Comme du béton. Et pas comme autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bon. Oh, elle va lui donner un bain toute seule comme une grande. Merveilleux. Elle est vraiment trop kiki, cette coiffure. Hein. Elle est trop mignonne. Ah, il va regarder sa sœur. Non, il va jouer avec le... Va jouer avec le machin là, vas-y. Va tiens, à te laver après. Copper, promotion. Copper, vas-y, lèche les bottes, ça fait monter. Copper, promotion. Le truc c'est que comme ils bossent en décalé, moi je suis complètement décalée avec eux. Je sais plus quand est-ce qu'ils doivent faire des trucs. C'est quand même assez abstrait, hein, cette histoire. Alors, elle est toute propre pendant que lui, il fait ça avec le nounours. Non, il chiale, c'est bon. Oh la vache, il est chiant, ce gosse. Tu vas donner un bain à Chamallow. Cham, 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 Chamallow. Il réussit, nana. Tu vas faire la fête d'anniversaire de Copper. Bah... Non, il va pas inviter ses soeurs, frères et soeurs. Il va... Voilà. Ta mère. Ah, elle est enfin habillée, bébête. Oui, c'est déjà l'anniversaire de Copper. Ouais, on va pouvoir déménager, enfin. Travailler sur d'autres projets. Oh, mais est-ce qu'il est pas bien, là? Il casse les noix. Allez, Copper, on veut une promotion. Stop, là. Stop, stop. Allez, hop, un bain. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Niveau 6, sa compétence éducation. Il vient de se chier dessus. Il sort du bain, il vient de se chier dessus. C'est que toi, tu vas finir... Tu vas mal finir, mon petit. Parce que... On n'y est pas encore, hein. Je ne sais pas si tu seras le potentiel... héritier, mais alors tu vas souffrir. Mais il est trop chou avec sa petite tenue. Il va pas fondre dans le bain, Chamallow. Oh bah, tant pis, hein. Prendra la fille, hein. Prendra sa sœur comme héritière. C'est vrai qu'on peut laver les bambins dans l'évier maintenant. Oh non, ça m'étonnerait. Bah, je sais pas, j'ai pas d'évier. Attends, on va tenter, mais en vrai, j'en ai aucune idée et j'en ai pas entendu parler. Donc, je ne sais pas. Tiens, on va prendre un lavabo comme ça, magnifique, hein, sexy comme as fuck. Et on va prendre un évier, sachant que j'ai. Voilà, on va prendre celui-là. Et on va tester ça tout de suite, mais j'ai des gros doutes. Ah, oh, mais si on peut! Comment ça? Je suis choquée. Mais je suis choquée. Mais c'est trop bien pour les mini-maisons. Mais c'est trop cool. Eh ben, écoute, Rataga, merci pour cette information. Attends. Mais on vient de leur laver le cul, tous les deux, là. Donc, qu'est-ce que tu veux? Mais je suis choquée.
Non, c'est super ça pour les petites maisons, parce que j'avoue c'était chiant à mettre une baignoire pour les gosses. Alors, on va mettre là. On va laver un gosse. J'ai appris qu'on pouvait mettre des cadres sur les meubles. Ce serait cool de mettre en tenue de soirée les gosses et faire une photo de famille pour l'anniversaire de Copper. Ouais, mais il faut des pauses. Enfin, je le ferai pas là en fait. S'il faut, je le ferai en dehors. Mais allez, on va faire Chamallow parce qu'il s'est chié dessus. On va voir l'animation. Est-ce qu'ils ont fait une nouvelle animation? Dag dag. Oh, il est trop cute. J'aime trop sa tenue. Ce petit rose pâle, c'est trop mignon. D'animation. On va aller voir ça tout de suite. Parce que si c'est juste ça. Oui, donc il y a zéro animation en fait, c'est. Ok. Ah bah. Faut pas s'y attendre à plus quelque chose de compliqué. Siestitus, visage avec des larmes de joie. Ah bah on aura testé, hein, voilà, maintenant je pense que ce gameplay est complètement incroyable. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Follow la chaîne, abonnez YouTube, tout ça. N'hésitez pas, c'est grâce à moi que vous avez vu cet incroyable gameplay. Hein. Cette animation que les Sims ont développée est juste incroyable. Moi j'ai cru que c'était un bug, tu vois, je fais bah non, ça va pas possible, ça va pas marcher. Ils nous prennent pour des cons. Merci Martial pour les réseaux. Moi aussi j'imaginais un truc un peu plus cool. Oh, tu es trop fort, Copper. Et il gagnera désormais 57 Simplus de plus par heure, soit 130 Simplus de l'heure au total avec un bonus de 2929 Simplus. Et indispensable, je ne sais pas ce que c'est. Ah, et là, il va être. C'est bien, on aura le temps de monter ses compétences. Cop-cop! Promu! Oh, mon beau! Tiens, je vais faire une belle photo de toi. Une photo de toi. Une photo de toi. Ah, avec sa tête un peu pas content, ce sera parfait parce que vu la gueule de l'épisode, tu te dis. C'était un peu n'importe quoi. Là, ça va mieux, comme je l'ai dit, hein, mais en début, là. Le bordel. Allez! Tu vas venir fêter ton anniversaire. On va souffler les bougies, on Fiesta, va souffler fiesta. les bougies, et c'est la promotion, et c'est la promotion. Est-ce que ça marche? Niveau 8, hein. Démon du net. Allez, oh! Ma Copper, pourquoi tu t'es suicidé? Il est où? Mais putain, elle est sans Michuno quand même là, hein? Bah non, mais. Les anniversaires sont buggés, ta la la la. Il va falloir faire une mise à jour, mes petits frères. La 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 la. Copernaud.n. Bon, bah tu vas faire de la. On va s'arrêter quand même là. Il va faire à bouffer. Il va faire du pain au levain. Et il est content! C'est l'anniversaire, mais il n'a pas vieilli. Et j'ai pas envie de retenter parce que j'ai pas envie qu'il meure. Hein? Qu'il devienne vieux. C'est hors de question, ça, les enfants. Allez! Toi, tu vas aller dormir. Elle. Ah, oh, bah, elle a encore faim. Oh, tu me casses les couilles, Sakura aussi un petit peu, hein? Je t'ai Ils sont déjà. fans de Fortnite, tu te crois chez les Sims avec des lamas à gauche et à droite. Ouais, les lamas, c'est arrivé avant Fortnite, hein? Je suis désolée, hein? Mes petits frères. Mais fallait que ça rime, hein? Non, non, mais on va attendre ce qui vieillisse tout seul. J'ai pas envie de bugger. Du coup, pour le Lord and Lady, tu pourras laver les bambins. Mais oui, mais c'est trop tard en fait.
Parce que de toute façon, c'est trop cool pour les générations artisans et. Ah, sauf qu'après, bon, voilà. Fermier artisan, mais parce qu'en gros, t'auras tout de suite la baignoire en la génération bourgeois, donc ça passe. Moi, pour moi, c'est trop tard, mais pour les autres, ce sera très bien. Et viens manger! Viens manger, viens manger! Et toi, bah t'as faim. Tu vas prendre une portion, coucou. Tu vas aller regarder la télé. Vas-y. Bon bah il grandira tout seul, hein, comme dans Lord Enedi et dans le Legacy, quand ça a pas marché. Enfin, il est content, il a fêté son anniversaire, hein, mais... Voilà. Il va attendre sagement qu'il vieillisse de lui-même. C'est ça, c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine s'il faut. On pourra enfin déménager de cet ignoble appartement de marde. Il fout parce que tu fais pas d'anniversaire avec les frères et sœurs. Oh, tant pis. Ça va aller. Ah, on peut faire trois styles de vie, pas plus. Heureusement qu'il n'y avait pas ça avant quand il a fait le toc dans le quartier parce que. Laisse tomber. Hein. Ah, j'ai oublié les bagarres! J'ai complètement oublié de lui faire faire les bagarres. J'ai pas du tout pensé à l'aspiration. J'étais branché compétences et puis de carrière quoi. Mais on fera, faudra qu'on fasse ça la semaine prochaine. Rappelez-le-moi. Parce que je crois que les développeurs vont se faire hurler dessus pour cette mage pourrie. Ben en fait, ils ont là pour l'instant ils ont rectifié le fait que alors je vais sauvegarder parce qu'il y a eu promotion que le jeu ne crache plus. Mais ça veut pas dire qu'ils ont tout réglé aussi, tu vois. Là, ils ont été au plus rapide, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent plus jouer sans que le jeu crache. Donc là, c'est réglé. Bon, vous pouvez voir que j'ai pas crashé du tout. Mais là, effectivement, ils vont voir tous les bugs qu'il y a, ils vont avoir des retours, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Et ils vont bosser, je pense, sur le fond et réparer d'autres choses. Tu peux compter jusqu'à 1000, s'il te plaît? Bah non. Là, on arrive à 1h56 de rediff! Donc, on va. Ils vont faire crac-crac. Tant pis, s'il y a le gosse qui est là. Hein. Tant pis. Allez, faites un petit crac-crac, les enfants, et puis on terminera là-dessus. Tant pis pour le petit. Moi, je dis si, est-il le moment parfait pour un magas? Les fantômes, ça va un peu. Pas taper. Les fantômes, ça va un peu pas taper. Mais non, Ricardo! On fait quoi maintenant? On va pas se coucher. Si vous voulez, on va pas se coucher. Ah, j'ai dit crac-crac! Vous m'avez dit crac-crac! Suffit, hein! C'est à cause du petit? Non, ils ont rien à foutre, eh! Oui, j'allais dire, c'est bon, hein! En bambin ou pas, on s'en carre le coquillard, hein! Zut, hein! Faut bien lui apprendre les bonnes choses à notre fils, comme ça il saura satisfaire les prochaines, ses futures conquêtes! Dans quelques années! Allez, ils ont fini, c'est super, moi j'arrête là. J'enregistre pour de bon. Et on se dit donc au revoir, merci YouTube pour d'avoir regardé cette rediff un peu longue et un peu molle parce que je suis un peu dans le cake. Voilà. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Nosoberry et d'autres choses sur ma chaîne. Donc à très bientôt. Ciao!